Moi, je ne sais pas partager un homme. Tout. Prenez tout, mais mon bijou. Mon anaconda. C'est qui m'a donné des beaux enfants, là. C'est mon bien le plus précieux. L'anaconda, c'est mon bien. C'est le bien le plus précieux, pardon. C'est pour ça que je vous dis que mon mari, c'est mon king. Il peut pas être le king de deux. C'est quoi? Il est mon king. Aïe! C'est pour ça que je traite mon mari avec tous les égards. Je lui donne beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Justement, j'essaie d'être tout. Et moi, je m'ennuie vite. Mes enfants regardent le live et alors, où est le mal? Eux-mêmes, ils auront leur femme. Non? Moi, ce que je parle avec mes enfants, tu ne vas pas croire. Souvent, ils ont honte. Ils disent que maman, tu n'es pas normale. Oui! La dernière fois, j'ai acheté les cristaux de menthe. J'ai donné à ma fille, elle a. J'ai dit, toi, ton homme, là, bientôt. Voilà. Moi, je suis une maman bizarre. Je veux que mes enfants soient heureux. Ça fait partie de la vie. Le sexe fait partie de la vie. Pourquoi vous voulez qu'on soit hypocrite? On s'est entendu. Mais si tu t'amuses à mettre ton anaconda partout, tu vas voir mon vrai visage. Je vais être sauvage. Je vais te faire vivre l'enfer sur cette tête. Enfin, tu vois, j'ai des petits yeux. Mais quand je te parle de ça, c'est avec tout mon cœur. You're gonna suffer. I'm gonna make you suffer. Je t'assure que le jour où tu vas être... I'm gonna deal with you. You're gonna suffer. Faut pas essayer. Il y a des femmes comme nous là, don't try that. Je vais te repasser ta chose là. C'est dans là on va tous perdre. Tu sais, il y a des femmes qui savent pas aimer. Moi comme moi là, j'aime dinguement. C'est pour ça que j'ai dit, je t'ai mis en haut. Tu es mon king, tu es mon... Après Dieu dans ma vie, c'est mon mari quoi. Et donc toi, mon mari, mon Dieu, mon king, tu vas devenir prostituée. Tu vas mettre ta chose là ailleurs. Mais mon frère, je vais sortir la femme stupide, la femme inconvertie, la femme païenne. Je vais te démontrer, tu ne vas pas croire. Je vais changer, ta vie va devenir living hell. Mais mon mari, c'est mon king. À la maison, je lui donne la soumission en amour. Je ne sais pas, parce qu'il m'appartient. Il est à moi seul, on s'est entendu. Mais si tu t'amuses à mettre ton anaconda partout, tu vas voir mon vrai visage. Je vais être sauvage. Je vais te faire vivre l'enfer sur cette tête. Enfin, tu vois, j'ai des petits yeux, mais quand je te parle de ça, c'est avec tout mon cœur. You're gonna suffer. I'm gonna make you suffer. Je t'assure que le jour où tu vas être... I'm gonna deal with you. You're gonna suffer. Faut pas essayer. Il y a des femmes comme nous là, don't try that. Je vais te repasser ta chose là. C'est dans là on va tous perdre. Tu sais, il y a des femmes qui ne savent pas aimer. Moi, comme moi, là, j'aime dinguement. C'est pour ça que j'ai dit, je t'ai mis en haut. Tu es mon king, tu es mon... Après, Dieu, dans ma vie, c'est mon mari, quoi. Et donc, toi, mon mari, mon Dieu, mon king, tu vas devenir prostituée. Tu vas mettre ta chose là ailleurs. Mais mon frère, je vais sortir la femme stupide, la femme inconvertie, la femme païenne. Je vais te démontrer, tu ne vas pas croire. Je vais changer, ta vie va devenir living hell. Pas la dingote qui va se lever, même si tu dis que tu framponnes mieux au lit que moi, c'est pas grave, mais il y a un côté là, tu peux pas. Émotionnellement, je connais la clé de mon mari. Spirituellement, je connais la clé de mon king. C'est-à-dire, financièrement, ce que j'apporte là, il sait que je suis une alliée, je pèse lourd. Toi, tu ne pèses qu'en perruque, tu ne pèses qu'en make-up, tu ne pèses que waouh, le coup qui le pète, tout c'est tout. Donc, tu sais que si tu as déposé là, donc voilà, on n'est pas pareil. Tu as quelle preuve qui ne te trompe pas? Tu le sais. Peut-être que tu ne sais pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit même Dieu. Je pense que... Je vais te raconter une histoire. Quand Dieu a créé Ève et Adam, au moment de créer Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dormir Adam. Il a fait dormir Adam pour mettre quelque chose en Ève qu'il ne voulait pas que l'homme voie. Les femmes ont une intuition terrible. Dieu a mis un mystère. Ne pense pas que parce que la femme avec qui tu dors, ta femme là, ne parle pas, que ça veut dire qu'elle ne sait pas. Quand tu triches.